Eh bien, salut tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce qu'il y a. Donc voilà, donc ça va être une vidéo sur l'épisode 5 de ma série Aventure. Donc voilà, donc pour le moment, je vais arrêter mon Samouda parce que j'ai vraiment pas le temps. En plus, il est pas abonné, tout ça. Enfin, parce que j'ai repris ma team. Donc je vais continuer cette série, mais mon Samouda, je vais l'arrêter. Donc voilà, Livolou, donc il est pas abonné. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre mon Zobal et donc pour vous montrer. Donc ici on est donc à l'Inu Trésor. Donc en fait c'est un monde. Pour y rentrer, en fait c'est dans tout Dofus, il y a un portail qui apparaît, genre il y a 100 places de 100 ou 150 places, un truc du genre. Et donc après vous pouvez plus rentrer. Et donc c'est il y en a plein en fait dans Dofus. Et souvent vous demandez dans le canal Alliance ou Recrutement, enfin voilà, et ils vous le diront. Donc voilà, c'est quand même compliqué à trouver ce portail. Donc vous cliquez et vous allez arriver ici. Donc moi, ce que je vais vous montrer, je sais pas s'il faut être abonné ou pas, vraiment, je sais vraiment pas. Parce que c'est la première fois que j'y vais en fait. Je me suis jamais trop intéressé. Et donc je vais vous montrer une astuce, les gars. Une astuce en or. Alors attendez, par contre, ce que j'aurais dû faire, et ouais, c'est d'enlever toutes ces ressources-là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est un crochet que j'ai eu tout à l'heure, donc 1500 km déjà. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là il faut chercher des coffres comme lui là, je sais pas si vous voyez le coffre en or. Donc hop, vous allez dessus. Donc un coffre. On va les récolter, vous verrez. Il y en a un là, voilà, j'avais vu. Donc après je connais vraiment pas à partir d'ici. Normalement, dans chaque map, il y a plein de coffres. Il y a des maps, je me rappelle plus, mais j'avais vu dans les vidéos. Il y a des maps où il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de coffres. Faut que je la retrouve, cette map. J'ai vu, il y avait au moins deux ou trois coffres. C'est énorme. Faites gaffe, parce que je crois que... Enfin, moi, ça aggro pas les monstres. Mais vous, ça pourrait aggro. Si vous êtes bas level. On va pas tenter, on verra. Mais t'as un GC, ça m'a pas aggro. Ok, c'est bon. Ah, là. Donc on arrive par ici. Ok. Juste pour voir le perco. 40 potes, 300 000 km, ouais, d'accord. Voilà, on va faire un peu le tour. Donc voilà, vous avez juste à cliquer, à ramasser, ça vous coûte rien. Et vous faites des couilles en or. C'est vraiment bien. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il faut trouver la zone, quoi. Mais sinon, quand vous l'avez trouvé, vous faites des putains de couilles en or. On revient pas là? Non. Ah oui, je vais vous dire aussi, dans l'ancien épisode, donc pour la première fois, vous m'avez vu, normalement. À part le live que j'avais fait, bon, ça comptait pas, j'avais pas fait exprès. Ouais, j'étais vraiment genre timide et tout, je parlais tout doucement, là, genre un peu. Parce qu'il était minuit, tout le monde dormait, je voulais réveiller personne, tout ça, donc voilà, c'était la première fois, donc j'étais un peu stressé. Donc voilà, donc là, ben, on revient, donc on a fini. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Attendez, je regarde quand même. D'accord, donc on est là. Ah, attendez. On va aller là. On va voir si on peut aller plus loin et s'il y a des coffres. Vas-y. Ce serait tellement génial. Par un moment. Par un moment, par un moment. Donc là, normalement, on remonte, on revient ou pas? Non, on revient pas. Ah ouais, il y a des coffres, regardez. Ouvrir un coffre, donc il a déjà été pris. D'accord. Bah c'est bon ça, putain, mais on peut se faire vraiment des coups en or. Hein. Si vous êtes vraiment bas level, vous avez pas de KMA au début. Coffre en or, regardez ici aussi. Bon bah ils ont été pris. Mais voilà, vous pouvez faire des centaines de milliers de KMA juste en faisant ça, quoi, c'est énorme. Hop. On peut pas y aller là? Alors attends. À mon avis, il faut... Ok.
Faut sortir de la route en fait, c'est ça? Donc là, je peux pas y aller aussi. Ah si. Donc du coup, je pourrais aller à droite. Ok. Sur ma route, il y avait les moves. Donc on en a déjà combien là? Ah merde, je me suis fait aggro. Bon bah vous voyez, c'est aggro. Je pense que ça dépend les zones. Je vais mettre le dragonnet de prospection, on va voir. On va voir ce qu'on drop. Oh là là, les résistances, mais c'est magnifique, c'est... Que demander de mieux? Hop. Hop. Ouais, on verra. Putain, je sais pas si j'ai un... Ah, je rigole, là. Alors, attendez. C'est trop marrant, vous avez vu? Je suis mort de rien. Vas-y, hop. Oh putain, il rock trop. Trop cheaté. On va faire ça. Alors, sur le passage, vu que c'est l'épisode 5, la fin, c'est qu'on est sur ma série aventure. Aventure suivie. Si vous avez des questions à propos des métiers, parce que je sais vraiment pas si je vais enfin, si je vais parler des métiers encore, si je vais continuer dans les métiers et tout ça. Parce qu'au début, je voulais, en fait, je voulais faire progresser mon Samoda en même temps que, enfin, en même temps que vous regardez la vidéo, quoi. En gros, je filme. En même temps, je fais progresser mon Samoda. Enfin, voilà, on montait en gros un personnage ensemble. Mais bon, ça prend trop de temps. C'est vraiment un truc où alors j'aurais fait que ça sur ma chaîne. Enfin, voilà, c'est, ça prend vraiment, vraiment trop de temps. Donc, it's not possible. Hop. C'est parfait, en plus on fait le challenge. Tac, donc c'est quoi son sort de PD? Ah non. Est-ce que je le tue? Ouais, c'est bon, je le tue. Ok, est-ce qu'on a des bons butins? Non, on s'en branle un peu. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 5 minutes qu'il tourne la vidéo. Donc, on a combien de coffres? Oh, on a plusieurs coffres en plus. Et si on continuait? En mode full cama, vas-y, on continue. Tant qu'à faire. Hein. Comme ça, si vous faites chier chez vous. Chez vous, j'ai dit. Si vous faites chier chez vous. J'ai les bagues, alors du coup, des fois, c'est difficile à prononcer les mots. D'ailleurs, ça me fait un peu chier ces bagues. J'en ai bientôt fini. J'allais dire, gros coffre. Et donc ça c'est donjon. Donc on a fini. C'est pas un coffre ça. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a, on a fait. Donc, ok. Oh putain. Normalement il y a une ressource qui vaut cher là. Il me semble. Alors, on a récolté que ces 5 trucs. Donc, déjà vous faites 15 000 kamas là. En faisant rien du tout. 15 000 kama. 15 000, vous faites 20 000. 20 000, 28 000. 28 000, 32, 33 000. 35 000. En gros, sans rien faire là, vous faites 35 000 kama. Et plus ça avant, mais bon, on va pas le compter. Les crafts, c'est pourquoi. En plus, ça se vend super bien parce que cette panneau à ce niveau-là. C'est une panneau puissante, c'est comme si vous préférez, c'est... Je peux faire le lien avec la panoplie Strigine niveau 200, sauf que là c'est niveau 150. Donc c'est à peu près pareil le stuff. Ils vont vraiment bien 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 en PVP, enfin même en PVM, mais surtout en PVP. C'est vraiment super, ça aussi, pareil comme vous l'avez vu dans le craft. Ça y est aussi. Même pour des stuff niveau 200. Voilà, c'est vraiment super. On vient de se faire des kamas qui vont se vendre, enfin des... On vient de drop des ressources, même pas drop. On vient de cliquer sur un coffre et on s'est fait 35 000 kamas comme ça. Easy quoi. Enfin voilà, c'est super bien. En tout cas, je trouve pour ceux qui débutent, c'est vraiment super bien. Si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, enfin voilà, vous me les poserez et je vous répondrai dans les 24 heures qui suivent. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé une fois de plus cette série qui me tient à cœur. Allez, ciao.